For something. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme Alpha et Omega. Je suis très, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là, en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis très, très, très ravi de vous retrouver. Je ne sais pas si vous m'entendez assez. J'ai un petit souci de voix, mais Dieu est grand. Ça va aller. Nous allons sans plus tarder prier pour remercier l'Éternel Dieu, celui qui a rendu ce moment possible. Nous allons le remercier pour notre journée, remercier pour tous les biens qu'il nous a fait aujourd'hui. On a été travailler pour les uns, à l'école pour les autres, bref, dans tout ce que nous avons fait. Élevons nos voix pour rendre grâce à Dieu et remercions-le pour ce moment qu'il a rendu disponible. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te louons. Nous te rendons grâce et nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci pour la journée que tu as rendue disponible. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés du mal. Merci Seigneur parce que tu as été avec chacun de nous et chacun des membres de nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos maris. Merci pour nos femmes. Merci Seigneur pour nos fiancés. Merci pour nos belles familles. Merci, merci pour tous les biens que tu as faits
Aujourd'hui, tu nous as donné à manger, tu nous as donné de quoi nous vêtir. Seigneur, tu nous as donné un toit sous lequel nous pouvons être à l'abri des intempéries. Merci, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité que tu renouvelles au quotidien. Seigneur, nous te remercions aussi pour ce temps que tu as rendu disponible. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, à qui tu as donné la force et le courage de venir en ce moment écouter ta parole. Gloire à toi, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci parce que je sais aussi que tu vas, toi seul, faire que ce moment soit unique et que tu vas éloigner en nous, Seigneur, tout problème technique. Gloire à toi, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant prier pour demander pardon à notre Dieu. Que l'Éternel nous pardonne, qu'il nous pardonne du mal que nous avons fait aujourd'hui, qu'il pardonne chacun des membres de nos familles et qu'il pardonne à tous ceux qui nous font du mal, bien sûr, mais aussi qu'il nous convainc et toujours à pouvoir à notre tour demander pardon à ceux à qui nous faisons du mal. Prions. Père Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère ici connecté, pardonne chacun des membres de nos familles biologiques, pardonne nos maris, pardonne nos femmes, pardonne nos enfants, pardonne nos fiancés, Seigneur, pardonne nos belles familles, pardonne à chacun de nous, Seigneur, pour tout le mal que nous avons fait aujourd'hui. En acte, en pensée ou en parole, nous avons péché et nous te demandons de nous pardonner. Puisses-tu, Seigneur, nous laver avec le sang de ton Fils Jésus-Christ? Et lave-nous, Seigneur, lave-nous de toute iniquité. Merci de purifier nos corps, merci de purifier nos cœurs. Seigneur, nous prions aussi que tu puisses pardonner à ceux qui nous font du mal, ceux qui nous souhaitent du mal, ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne-leur et, Seigneur, bénis-leur et les membres de leur famille. Surtout, Seigneur, donne-nous le cœur afin que nous puissions à notre tour aussi être capables de pardonner. Merci, merci de nous convaincre aussi, Seigneur, que là où nous avons fait du mal, nous puissions aller à notre tour demander pardon. Seigneur, je te remercie parce que tu restes fidèle et tu restes miséricordieux, Seigneur, malgré nos manquements. Nous élevons notre voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant demander que l'Éternel nous remplisse de son esprit, que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant remplisse chacun de nous, qu'il remplisse chacun des lieux dans lesquels nous nous trouvons, que le Dieu, que son esprit soit maître de cet instant, et que seul son esprit puisse nous enseigner, que seul son esprit puisse nous convaincre aussi à comprendre et surtout à écouter ce que nous allons apprendre ce soir. Prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions en avance, parce que en ce moment même, Seigneur, nous savons que tu remplis chacun de nous. Tu remplis chacun des endroits dans lesquels nous sommes de ton esprit. Seigneur, ta puissance devient quelque chose de palpable parce que nous le ressentons en ce moment. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui envahit chacun de nous. Seigneur, nous disparaissons et laissons place à ton esprit pour qu'il soit seul maître, que l'esprit d'intelligence, que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intercession parle à notre place, que cet esprit, Seigneur, puisse convaincre les âmes ce soir. Merci, merci Seigneur de nous remplir. Merci Saint-Esprit pour ta présence en moi, en mon frère, en ma sœur ici connectée, mais aussi en chacun des lieux dans lesquels nous sommes. Que ta puissance, Seigneur, se déploie partout où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous allons passer à nos 120 secondes où nous partageons les vidéos et nous disons bonsoir. Je dis donc bonsoir à ma sœur Nathalie Ngongo. Bonsoir à ma sœur Carmen Gouma. Bonsoir à ma sœur Cynthia Kabangu. Bonsoir à ma sœur Kiams Choco. Bonsoir à ma sœur Marie-Béatrice Omang. Bonsoir à toi, ma sœur Christine Chembo. Bonsoir, ma sœur Laurence Olondo. Bonsoir, ma sœur Ella Motema. Bonsoir à toi. Sois bénie, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Annie de la Grâce. Bonsoir, ma sœur Caroline Happy. Bonsoir à toi, ma sœur Mayola Kaimbi.
Bonsoir à mon frère Mathieu Lévy Ndomba Kabea. Bonsoir à ma sœur Idi Massivi. Bonsoir à ma sœur et partenaire de toujours Coco Mboel, ma sœur. Bonsoir à toi. Bonsoir ma sœur Odile Ndianguka. Bonsoir maman Micheline Kilou Kutsenza. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir mon frère JP. Bonsoir mon frère Franck Daniel. Bonsoir à toi ma soeur Tony Taya Lolo. Bonsoir à mon frère Bruno Libeba. Bonsoir à mon frère Hugues Massimango. Bonsoir à ma soeur Odile Ndianduka. Bonsoir à toi ma soeur Tracy Luboya. Bonsoir à toi, oh, mon tonton spirituel, ça fait un moment, mon pasteur Désiré Maïkini. Bonsoir à ma sœur Rose Eti Makelo. Bonsoir à mon frère Flay Mac. Bonsoir à ma sœur Léa Guyana. Bonsoir à toi, à mon frère Papy Christian Lubata. Bonsoir à mon frère Pierre Tangala. Bonsoir à qui je n'ai pas dit le nom, Karine Masunga, bonsoir à toi. Bonsoir ma soeur Mathie Lucilia. Bonsoir maman Roseline. Maman, la viande me manque, hein, je viens bientôt. Bonsoir à mon papa Serge Malou Mouleba. Bonsoir à ma soeur Annick Young. Bonsoir à ma soeur Michelle Okuka. Bonsoir à tout le monde. À merveille, Ngambiki, bonsoir. Ma sœur Noël Ambongo, bonsoir. Ma sœur Sandy Bomba, bonsoir. Maman Patricia Kabambay, bonsoir à toi. Bonsoir à ma sœur Sandy, j'ai déjà cité. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde. Bonsoir à toi, ma sœur Delly Simone. Bonsoir, ma sœur Ève-Marie. Bonsoir, ma sœur Virginie Viviane Malingi. Bonsoir à toi, ma sœur Awa Hassen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonsoir à ma sœur Nancy Bell. Bonsoir à toi, ma sœur Flore Nzombo et à mon frère Germain Nzombo. Bonsoir. Bonsoir à ma sœur Bijou Timanga. Bonsoir à ma sœur Deda Juvette Mampouya. Bonsoir à vous tous. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager la vidéo, ce que nous faisons tout le temps d'ailleurs, et je pense que vous l'avez déjà fait, mais je le redis pour ceux qui viennent de se connecter. Merci de partager, que le Seigneur puisse bénir quelqu'un à travers le message de ce soir. Avant donc de passer au message, nous allons d'abord prier pour la journée du 30 juin. Le 30 juin se rapproche, vous savez que nous allons nous retrouver à Bruxelles, là où nous allons nous réunir une fois de plus pour communier ensemble et encore pour faire vibrer pour la puissance de Dieu, que Dieu soit là, que Dieu nous parle, que Dieu nous guide et que oui, que les gens se révèlent d'une manière ou d'une autre, mais que l'Esprit de Dieu soit puissant ce jour-là. En fait, c'est juste une rencontre physique. Alors que nous nous rencontrons tous les soirs à 21h30 et à 5h30 du matin sur Alpha Omega virtuellement, et là nous allons nous rencontrer physiquement pour communier encore ensemble. Donc ça sera le 30 juin, et oui, nous faisons des petites cotisations pour manger la viande de maman Roselyne et de toute personne qui aura bien la gentillesse de mettre sa main dans la pâte. Donc ceux qui ont déjà donné, gloire à Dieu, ceux qui ne peuvent pas, gloire à Dieu, et ceux qui peuvent encore donner, il n'est jamais trop tard. N'hésitez pas à donner de l'argent. J'ai déjà dit, ce n'est pas pour acheter des chaussures au pasteur, ce n'est pas pour m'acheter des perruques, même si j'en ai besoin. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour tous, pour que nous mangeons et que nous partageons quelque chose après notre prière. Mon frère Ferré Ministre, bonsoir. Ma soeur, oh maman Lily Mangan, la présidente, bonsoir. Ma soeur Acheter Basiba Kesseni, bonsoir à toi. Et bonsoir à toi, ma soeur Alpha Ombo. Donc nous allons prier pour cette journée du 30, demander que le Seigneur bénisse cette journée, que le Seigneur puisse oindre puissamment tous ceux qui vont intervenir, mais aussi qu'il bénisse et qu'il aplanisse les chemins de toute personne qui va se déplacer pour être à Bruxelles au 30 juin. Prions.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, nous te louons, nous venons te rendre grâce, mais surtout, Seigneur, nous venons te recommander notre journée du 30. Puisses-tu, Seigneur, rendre cette journée une journée unique, comme toute rencontre de la famille Alpha Oméga. Puisses-tu oindre puissamment, Seigneur, tous ceux qui vont intervenir, afin que ce soit toi qui parles à travers ces gens. Même pendant les louanges, Seigneur, que ce soit ta voix, que ce soit tes paroles qui sortent de la bouche de ceux qui vont nous interpréter, Seigneur, des chansons. Merci aussi pour toute personne qui y sera. Merci pour les chemins que tu as déjà aplanis. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que ce jour sera unique. Non pas parce que nous allons nous voir physiquement, mais surtout parce que ta puissance sera là, que ta présence sera grande et ta présence sera manifeste. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Excusez-moi, je vais juste éteindre la musique. Voilà, je suis, voilà, comme j'ai dit, très heureux de vous retrouver ce soir. Enfin, j'ai trop de lumière, je crois. Pardonnez-moi, je tousse en même temps. Donc voilà, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et comme je disais, donc nous allons parler, passer à la parole. Et avant de passer à la parole, bien sûr, nous allons recommander ce moment à Dieu. Que nos intelligences se taisent, que nos sentiments, que nos haines, que nos colères, que nos rancunes, que nos peurs, toutes ces choses disparaissent, laissant la place à l'Esprit, laissant la place à Dieu, afin que nous puissions écouter ce qu'il a à nous dire ce soir. Père éternel Dieu Tout-Puissant, voici venu le moment où nous nous nourrissons spirituellement. Seigneur, je prie que tu puisses, toi seul, qui connais tous tes enfants ici connectés, Seigneur, éloigner en eux tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes leurs peurs, toute appréhension, tout doute. Seigneur, puisses-tu ouvrir les oreilles, puisses-tu disposer les cœurs, puisses-tu disposer les âmes, puisses-tu disposer les corps afin que chacun puisse écouter ce que tu as à dire ce soir. Seigneur, je m'éloigne pour te laisser place afin que toi seul puisses parler à travers moi. Puisses-tu enseigner tes enfants à travers moi. Puisses-tu m'apprendre à moi-même aussi quelque chose ce soir. Je te loue, je te rends grâce et je te remercie. Au nom puissant de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant passer à la parole. Alors, ce soir, nous allons parler de ma sœur Rebecca Mundoki. Bonsoir à toi, sois bénie. Ce soir, nous allons donc parler de la prière en famille. Depuis quelque temps, pour ceux qui écoutent, enfin qui participent aux prières matinales, ça faisait depuis un moment, ce sujet me revenait en tout cas comme prière, comme sujet de prière le matin. Et j'encourageais toujours des gens à prier pour leur famille. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrivait. Et Dieu m'a un peu enfin, enseigné sur quelque chose, juste pour, oui, pour encourager, pour vous encourager, pour nous encourager tous à prier. Je vais parler de la famille restreinte. Hein? Mes chers frères et sœurs africains, excusez-moi. On ne va pas parler d'arrière-grands-parents. On ne va pas parler du cousin, de la tante, à la nièce, à la voisine, au petit frère, à l'arrière-grand-père. Non, 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 on ne va pas parler de ça. On va parler de famille restreinte. Ici, la famille restreinte, on va parler donc de maman, le mari, les enfants. Sinon, une femme seule avec ses enfants ou un père seul avec ses enfants, c'est de cette famille que nous allons parler, c'est-à-dire que parents et enfants, hein, c'est tout. Il n'y a pas les oncles, les cousins, les tantes, non, on ne va pas en parler ce soir, c'est vraiment de la famille restreinte, c'est de la prière dans cette famille restreinte qui m'intéresse ce soir. Mais cela dit, quand nous prions, nous pouvons aussi prier pour toute personne de notre famille et de notre entourage. Il n'y a pas de souci à cela. Hein. C'est pas interdit. Au contraire, c'est même encouragé, encourageable et conseillé. Mais ici, je parle juste de la famille restreinte, de la prière dans la famille et dans la famille restreinte uniquement. Donc, pour cela, nous allons. J'ai séparé en deux parties. D'abord, la première prière pour les gens qui sont mariés, c'est la prière pour monsieur et madame, la prière de couple. On va d'abord parler de la prière de couple. Pour ceux qui ne sont pas mariés et qui aspirent à se marier, ben c'est quelque chose que nous tous on peut écouter et apprendre. Pour ceux qui sont déjà fiancés, ben voilà, on a dit,
ne commettez pas l'impudicité. Vous, il ne doit pas avoir de sexe avant le mariage. On vous a interdit d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Mais on ne vous a jamais interdit de prier ensemble. Donc, si vous êtes déjà fiancé et que vous vous avancez vers le mariage un jour, vous devrez aussi penser à commencer à prier ensemble. Ça, ce n'est pas interdit. Oui, ça, ce n'est pas interdit. L'impudicité, ouais, ben oui, ben ouais, on ne peut pas, hein? Il y a des choses qui sont interdites et il y en a qui ne le sont pas. Donc, pour cela, nous allons lire pour la prière de couple. Nous allons donc commencer à lire ensemble dans Matthieu 18. Que l'Éternel bénisse sa parole. On va donc lire Matthieu 18 au verset 19. Lisons Matthieu 18 au verset 19. Que nous apprend la parole de Dieu dans Matthieu 18, 19. Je lis au nom du Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Je relis. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Mon frère et ma sœur, vous êtes deux, vous êtes mariés. Vous avez des soucis ou vous n'en avez pas d'ailleurs. C'est pas, on ne va pas prier Dieu que pour des soucis. Mais vous devez vous accorder dans la prière. C'est la parole de Dieu qui nous dit que si deux, deux là, ça ne veut pas forcément dire monsieur et madame. Non. Mais ici, je l'utilise dans le cas de monsieur et madame. Parce que monsieur et madame ont leurs problèmes au quotidien, ont leurs problèmes de famille, ont leurs problèmes dans leur foyer, ont leurs problèmes avec leurs enfants. Si ces deux-là se mettaient à prier ensemble pour tous les problèmes qu'il y avait dans leur famille, si les deux s'accordaient sur des sujets de prière, même dans la louange à Dieu, même dans, pour grande gloire et grâce à Dieu, tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé. Donc, la prière, quand on est ensemble, c'est une force. C'est Dieu qui le dit, c'est une force. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront hein, qu'une seule personne. Et quand vous devenez cette seule et unique personne, cela ne doit pas être que pour faire des enfants, mais aussi pour prier ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est vraiment triste parce qu'aujourd'hui, on rentre dans des couples, je dis bien chrétiens, parce que les autres, aujourd'hui, j'en parle pas, c'est pas le sujet. Mais quand on rentre dans les couples chrétiens, on se rend compte que monsieur et madame ne prient jamais ensemble. Jamais. Alors, je sais pas. T'entends, t'as honte de fermer les yeux devant ta femme et de louer Dieu, j'en sais rien. Tu te sens petit. Ou maman, c'est quoi? Tu sais pas le faire non plus devant ton mari? Non, c'est. Non, chacun son truc. Les dimanches, on va ensemble à l'église. Ah là là là, là c'est bien, main dans la main. On arrive à l'église. Ah, ce qui est très marrant, même dans l'église. Bon, après, vous allez dire que moi, je passe mon temps à observer, mais c'est pas moi, en fait. Parce que quand Dieu te donne un sujet, il te donne aussi la force et l'intelligence de t'inspirer de ce que de t'inspirer de ce que tu vois. Alors, ce qui est marrant dans les églises, vous savez, quand vous rentrez, monsieur et madame, hein, ils sont dans l'église. Quand le pasteur dit à ton voisin, ton problème sera résolu. Et il faut voir. Monsieur dit à son voisin à côté, la femme dit à son voisin, mais les deux ne se le disent pas. Pourquoi? C'est quoi le souci? J'aimerais bien comprendre c'est quoi le souci. Comment vous êtes un couple, vous êtes unis, vous êtes censés vous aimer. Mais quand vous êtes, quand il s'agit de Dieu, vous n'arrivez pas à parler ensemble. Le pasteur vous dis à ton voisin, ton problème sera résolu. Toi, tu dis à ton voisin, monsieur dit à son voisin, après vous regardez même pas, vous êtes là. Mais c'est ton voisin, mais il est à côté de toi, ton mari devient ton voisin. Il faut lui dire à lui aussi, ton problème sera résolu. Parce qu'il faut ça. Ah, tu ne le dis pas, pourquoi? Parce que c'est toi le problème. Mais c'est pas grave. Ton problème sera résolu. Le pasteur a dit, Dieu a inspiré le pasteur, a dit, dis à ton voisin, ton problème sera résolu. Si je suis ton problème, chérie, ton problème sera résolu. Il faut le lui dire comme ça. Même ça, vous êtes incapable de dire. Alors, quand on a prié ensemble le dimanche à l'église, c'est fini. Même les louanges, il faut voir, hein, monsieur, il a du mal, quand madame est à côté, de louer Dieu, de s'exprimer. Non, non, même ces louanges sont contrôlées. Contrôlées, je ne sais pas pourquoi. C'est ton Dieu. Sans Dieu, tu n'es rien, papa.
Ma sœur, sans Dieu, tu n'es rien. C'est lui qui a fait que vous soyez ensemble. Et à vous deux, vous êtes une force. Il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a de mal à prier tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, à prier tous les deux? Lisons Matthieu 19, verset 5 ou verset 6, s'il vous plaît. Et qu'il dit, c'est, j'ai dit quoi, Matthieu? Oui, Matthieu 19, 5, 6, pardon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera, oui, donc c'est ce que je disais, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous êtes une seule chair. Normalement, vous devez vous lier aussi dans la prière. Ce moment, il y a la prière personnelle qui est très importante. Oui, le salut est personnel, on le sait. Mais qui dit salut personnel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prier avec les gens. À ce moment-là, chacun reste chez lui. Il n'y a plus d'église non plus. On reste, on prie chacun dans son coin. Ce n'est pas ce que ça veut dire. D'accord? Quand vous formez un couple, vous devez vraiment prier ensemble. Vous devez vous entendre. Vous devez. Vous savez, comment expliquer ça? On va passer une journée. Quand on a l'habitude de prier ensemble, même si on s'est énervé sur quelque chose, quand notre heure de la prière arrive, on sait qu'on va auprès de notre Père. Il y a quelque chose qui se passe. Si franchement, enfin moi personnellement, hein, je ne suis pas encore marié. Bref, mais je veux dire, quand on a l'Esprit de Dieu en soi et qu'arrivé à ce moment-là, tu diras toujours à ton mari, chérie, pardon pour ce que je t'ai fait tout à l'heure, je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, désolé si j'ai mal parlé. Avant d'aller vers Dieu. En fait, quand on prie souvent ensemble, monsieur et madame, je vous jure que ça vous fait moins de problèmes à la maison. Parce que le fait de prier ensemble, comment dire, ça vous rapproche. Et tu ne peux pas aller devant ton Dieu avec de la colère. Tu ne peux pas aller devant ton Dieu avec de la haine. En tout cas, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est impossible. Donc forcément, ces moments-là sont aussi intimes que les moments où vous faites des enfants ou vous vous amusez tout simplement. Là, le moment de prière à deux est un moment très important. C'est un moment qui rapproche. Oui, ton mari et toi, vous ne priez pas dans la même église. Ce n'est pas grave. Il croit en Jésus-Christ ou pas? Parce que c'est vrai que s'il est musulman, ça va être très compliqué que vous priez ensemble. En tant qu'ancien musulman, je sais que ce n'est pas la même chose, mais même si vous n'êtes pas dans la même église, vous pouvez prier ensemble. Ton mari est loin, même quand il voyage, c'est bizarre, quand il voyage, il t'appelle pour parler des choses et autres. Ah, le bandit là, à l'école, ah, comment ça s'est passé? Vous parlez de ça. Et donc, on peut parler au téléphone, mais on ne peut pas prier ensemble au téléphone. Ça aussi, on peut le faire, même quand il est loin. Vous pouvez, quand c'est votre heure de prière, vous avez décidé que vous allez prier ensemble tous les jours à telle heure. Sauf s'il y a vraiment un empêchement, mais sinon, tous les jours à cette heure-là. Même si, ma sœur, tu es dans ta famille, tu t'excuses, tu vas dans une chambre, quelque part, dans un coin, tu prends ton téléphone, t'appelles ton mari. Chérie, je suis chez maman, mais c'est notre heure de prière. Je me suis excusé, prions ensemble. Vous priez. Même pour 2 minutes, on vous parce que vous, quand vous priez, vous voulez trop multiplier des vaines paroles. Vous voulez prier pour toutes les choses. Prions, chérie, oui, que les chaussures que tu as là, les talons ne sont plus bons, que Dieu nous donne l'argent pour qu'on puisse réparer les talons de tes chaussures, que Seigneur te donne une grande télé parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Je ne vous parle pas de cette prière. Je vous parle juste de la communion que vous devez avoir, vous, à partager avec Dieu. Sois bénie aussi, ma sœur Jolie Tiamatiama. C'est très important, ces moments de prière ensemble, quand on est marié. Vous savez, vous avez, on a tendance à croire que ça y est, bon, moi je suis sauvé, mon mari est sauvé, donc bon, chacun dans son coin. Non, 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 ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes sauvé, chacun a été sauvé par le Christ, mais une fois que vous êtes ensemble, vous devez vous lier, vous devez rester unis, même dans la prière. C'est très, très important. C'est très important parce que vous savez, ces moments-là que vous priez à deux, c'est un moment. Moi, je me rappelle, je vais donner un exemple pour ceux qui font du sport. Vous savez, quand vous partez souvent faire du sport, gym, hein, vous partez à la salle de gym, remarquez quand vous y allez seul,
C'est très difficile. Mais quand vous avez pris la décision de faire avec une amie, un ami, vous partez souvent ensemble à la salle de sport. Regardez, il arrive que vous sortez du travail, arrivez chez vous, vous êtes tellement fatigué, vous dites, je n'irai pas. Mais quelques minutes après, vous entendez sonner à la porte. C'est votre ami qui est là, en forme, et qui dit, on doit y aller. Et ça, vous vous dites dans votre, ouais, mais bon, comme il est déjà là, qu'est-ce qui se passe? Je dois me lever pour y aller. J'y vais. Et c'est la même chose dans le couple. Il peut arriver des moments de faiblesse. Il y a des moments où des problèmes au travail, avec des enfants, quelque chose qui fait qu'on n'a plus cette force, on n'a même plus l'envie de. On n'a pas, on n'a pas, on le ressent pas. On n'a pas cette envie de prier. Mais quand on le fait à deux, quand le mari vient et dit, chérie, c'est l'heure de notre prière, même si tu n'en avais pas envie, tu vas te lever. Et vu comment le mari est motivé là, à prier avec toi, ça va te réveiller. Et ça va te donner encore plus de courage. Je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut se dire enfant de Dieu? On est marié et on ne prie pas ensemble. Comment ça? Non, il y a des cas particuliers, oui, où le mari ne croit pas en Dieu. Ça, c'est des cas particuliers. Moi, je vous parle du cas où le mari croit en Dieu. Toi aussi, tu crois en Dieu. Vous avez deux pasteurs différents. Ok, vous avez deux églises différentes. Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Celui qui vous a sauvés là tous les deux, vous croyez qu'il est Seigneur et Sauveur. Alors, pourquoi ne vous mettez pas à genoux dans votre chambre à prier ensemble? Vous louez Dieu avec une chanson, même si tu chantes mal, ma soeur, ce n'est pas grave. T'inquiète pas, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu sera là. Ton mari n'entendra qu'une superbe voix. Dans tous les cas, quand un mari aime sa femme, même si tu as une voix comme une casserole, il trouve ça toujours très bien. Et donc, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, Dieu est là. Dieu vous rend fort. Dieu vous rend fort. Les couples qui vont mal, je vous jure, c'est généralement les couples qui ne prient pas ensemble. Qui suis-je pour confirmer ça? C'est vrai. Parce que la prière ensemble, ça crée quelque chose. Regardez-vous et nous, et moi, entre nous là. On ne se connaît pas tous. On ne se connaît pas vraiment. On s'est rencontrés virtuellement. Pour les peu de gens que j'ai pu voir en réalité, et remarquez, quand on s'est vu physiquement, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Tout s'est fait comme ça, comme si on se connaissait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a rapprochés. C'est cette prière-là, ce temps que nous passons ensemble, à louer Dieu ensemble, à prier matin comme soir. Toutes ces choses à nous rapprochent. C'est la même chose dans vos couples. Si vous vous mettez à prier ensemble, ça va vous rapprocher. Ça va vous rapprocher. Parce que faut pas croire non plus. Parce que mon frère, tu sais pas ce que ta mère, ta femme a pu faire de mal ce matin. Peut-être qu'elle s'est éloignée de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais le fait que vous vous mettez ensemble pour prier, ça peut la rapprocher de Dieu. Et vice-versa d'ailleurs. Vous croyez que parce que vous êtes un couple, que vous êtes sauvés d'après vous, et vous priez chacun de son côté, et c'est comme ça que les choses vont avancer. Non, les choses n'avanceront pas comme ça. Les choses n'avanceront pas comme ça. Vous pouvez être marié, et il y a un qui peut être totalement, à la fin, je veux dire, être sauvé, et vraiment aller avec Dieu, et l'autre, au final, sortir de son salut et mourir. Hein. Ça peut arriver. Quand Dieu a envoyé des anges pour Lot, pour sortir Lot de sa ville, là où il était, quand Dieu a envoyé les anges, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous marchez, ne vous retournez pas. Mais la femme avait entendu le même message, le mari avait entendu le même message. Mais si les deux-là avaient vraiment un rapport, je parle dans leur pratique de pas de la religion, mais de la prière, de l'enseignement. Je pense qu'elle, elle ne se serait pas retournée. L'autre serait là en train de lui dire, chérie, ne regarde pas derrière, rappelle-toi ce que Dieu a dit. Mais non, ils marchaient, l'autre et sa femme sont sortis de cette ville, ils marchaient, chacun pensait à ce que Dieu a dit, mais chacun regardait son chemin. Il n'y avait plus une seule vision. Il y avait deux personnes avec deux visions. Ce qui fait que quand l'autre, lui, s'empêchait de regarder derrière, sa femme, elle, elle s'est retournée. Et elle s'est transformée en statue de sel. Vous connaissez l'histoire. Si ces deux-là marchaient main dans la main,
dans la parole de Dieu, ça ne serait pas arrivé. Et vous voyez, ça prouve bien que là, nous avons affaire à deux personnes qui regardaient chacun son chemin. C'est ce qui se passe dans les couples de chrétiens aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire être sauvé, être fils et fille de Dieu et ne pas avoir le courage de prier ensemble? Et il y a certains frères aussi, ils ont tellement le zèle qu'ils étouffent même leurs femmes. Et je connais des sœurs qui s'empêchent d'exprimer ce qu'elles ressentent spirituellement parce que leurs maris en font tellement qu'elles n'osent même plus. Ma sœur, ne laisse pas ton mari t'étouffer spirituellement. Il y a des hommes tellement, ils ont le zèle. C'est vrai qu'on a dit que c'est l'homme qui enseignera la parole dans sa maison. On le sait, tonton, il n'y a pas de problème. Enseigner la parole ne veut pas dire ne pas écouter les autres. Ça ne veut pas dire ça. Il y a des frères qui pointent tellement le dessus chez eux. Et ce que je suis en train de dire, c'est des choses que je vois. Ça ne vient pas de mon imagination personnelle. Ces frères prennent tellement le dessus chez eux en ce qui concerne la parole de Dieu. À la limite, quand la femme dit quelque chose, sincèrement, ce qui lui manque, c'est juste de dire « Tais-toi, ignorante, tu ne sais rien, laisse parler l'expert en parole que je suis, que je puisse parler de ce que Dieu m'a révélé encore ce matin, que j'ai ressenti dans les entrailles de ma personne, l'Esprit de Dieu sortir de ma gorge, laisse-moi. » Oh, mon frère, laisse ta femme exprimer aussi son esprit. L'Esprit de Dieu règne dans le foyer. Tu es le maître, celui qui gère, mais ça ne t'empêche pas d'écouter ce que ta femme a à dire. Et vous remarquerez, dans la plupart des couples, c'est surtout les femmes qui ont cette sensibilité d'entendre la voix de Dieu. Mais mon frère, si tu étouffes ta femme, elle ne pourra même pas dire ce qu'elle entend de Dieu. Et comment pouvez-vous avancer comme ça? On a dit, priez ensemble. On a dit, le mari va être le chef. Mais on n'a pas dit, étouffe ta femme, écrase-la, ne priez pas ensemble, chacun de son côté. À la limite, tu ne sers à rien. Tu n'as rien à me dire. Prier, ce n'est pas apprendre quelque chose. C'est se mettre à genoux, c'est rendre grâce à Dieu. Louer l'Éternel. Vous êtes encore ensemble. Et tu arrives encore à aimer cette femme. Tu arrives encore à vivre avec. Au quotidien, elle arrive encore à te faire à manger. J'en sais rien. Elle fait des choses pour toi, des tas de choses pour toi. Mais remerciez Dieu pour tous ses bienfaits. Rendez grâce à Dieu pour ces choses. Mais ensemble. Alors, mon frère, si tu es du genre à ne pas écouter ta femme parce que tu estimes que tu as plus de connaissances qu'elle, fais très attention. Fais très, très attention. Parce que l'humilité précède la gloire. Et ça serait dommage que quand Jésus revient là, que ce soit elle qui monte et que toi, tu restes assis sur ton siège et que tu sois incapable de monter avec elle. Tu vas te mettre à gueuler sur question Dieu. Ouais, Dieu, c'est pas possible, je connaissais plus la parole qu'elle. Non, mais le degré de connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui ouvre les portes du paradis. Il faut faire très attention. Mes frères, n'étouffez pas vos femmes qui veulent s'exprimer. Mes sœurs, sachez parler à vos maris de ce problème si vous en avez. Vraiment. Parce que l'excès des ailes de certains frères, je sais que c'est étouffant. Priez ensemble. Un couple doit prier ensemble. Je viens de vous parler de Lot. Si sa femme s'est transformée en statue de sel et pas Lot, ça montre et ça prouve une chose. Les deux ne regardaient pas dans la même direction. Dans quelle direction regardes-tu, ma sœur? Dans quelle direction regardes-tu, mon frère? Est-ce la même direction que ton mari? Est-ce la même direction que ta femme? Si ce n'est pas le cas, le moment est venu. Le moment est venu de vous mettre ensemble et de prier ensemble. Vous savez, non mon frère, non ma soeur, ce n'est pas grave si ça ne se fait pas chez toi. Ne te sens pas mal. Il faut te dire que c'est une bénédiction. Quand tu reçois ce genre de parole, dis-toi que c'est une bénédiction. Dieu vient encore te rappeler quelque chose avant que ça ne soit trop tard. C'est une bénédiction.
Il y en a qui sont morts avant, d'autres se sont carrément séparés, ils sont divorcés aujourd'hui et ils ont divorcé avant d'entendre cette parole qui les encourage à prier ensemble. Ma sœur, dis Alléluia. Dis Alléluia, il n'est jamais trop tard. Alors, si tu n'as jamais prié avec ton mari, si vous ne le faites jamais, même si là, après Alpha Oméga, si tu rentres dans la chambre, il est en train de ronfler, tu le réveilles au nom de Jésus-Christ, tu lui dis, allez, on se met à genoux, papa, on prie Dieu. À partir d'aujourd'hui, tous les deux, on doit prier. Et ça ne veut pas dire que vous devez le faire matin, midi, soir. Non, 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 non. Vous connaissez vos couples, vous savez comment ça marche chez vous. Mais trouvez une heure qui vous arrange tous les deux pour prier ensemble. La longueur, la durée n'est pas importante. Selon ce que vous aurez dans le cœur, selon comment l'Esprit vous guidera, vous prierez ensemble. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est très important. Nous allons passer à la partie 2. La partie 2, nous allons parler de la prière de famille, c'est-à-dire papa, maman et les enfants, pour ceux qui sont mariés et qui ont leurs enfants, ou papa et les enfants pour les pères célibataires, ou maman et ses enfants pour les mères célibataires. Alors, là, c'est un autre sujet aussi de prière que nous négligeons encore, nous chrétiens. Alors, les prières de famille, alors déjà, si la prière du couple n'existe pas, alors les prières de famille, c'est encore pire. C'est encore pire. Papa se sent ridicule de taper la main devant les enfants. Alléluia, Jésus. Il a l'impression que ça va lui enlever quelque chose, tu vois. Ça lui enlève sa chefferie. Ça lui enlève sa place de boss. Donc, s'il fait Alléluia devant les enfants, ça va pas marcher. Je ne sais pas. Je sais pas comment quelqu'un peut penser à ça, mais ouais, oui, c'est vrai, il y en a qui pensent à ça. Donc, papa se retient. Alors, maman non plus ne prie pas avec des enfants. On va lire, lisons Deutéronome 6, 5 à 9. On va lire Deutéronome 6, 5 à 9 avant d'aller loin. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Lisons Deutéronome 6, s'il vous plaît. Verset 5. Chapitre 6, versets 5 à 9. Je lis au nom de l'Éternel. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez... Je suis bien au bon endroit. Non, j'ai dit 6, moi, je lis au 5. Pardon, excusez-moi. Deutéronome 6, c'est bien ce que j'ai dit, mais je lisais au 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras, écoutez bien, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mon frère et ma sœur, on vient de te dire là que ces commandements que tu as reçus de Dieu, tu dois les garder. Et en plus, tu dois enseigner tes enfants. Tu dois enseigner à tes enfants. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas, je ne me suis pas réveillé ce matin en me disant, ah, les chrétiens n'enseignent pas leurs enfants, je vais les embêter ce soir. Non, c'est Dieu qui le dit. Tu dois enseigner à tes enfants. Tu dois apprendre à tes enfants. Tu dois enseigner à tes enfants à la maison les commandements de Dieu, la loi de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment les choses fonctionnent. Tu dois leur enseigner ces choses. Remontons un peu plus haut, toujours dans Deutéronome 6, cette fois-ci au verset 2 à 3, nous allons juste lire un peu plus au-dessus. Qu'est-ce qui a marqué? Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, écoute bien, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous les commandements que je prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Mon frère, ma soeur, Dieu nous encourage à prier en famille. Papa, maman, les enfants, vous tous au salon. Si vous n'avez qu'une chambre, vous tous dans votre chambre. Si vous avez des millions de chambres, vous sortez de vos millions de chambres, vous vous retrouvez dans une seule et unique pièce ensemble. Vous chantez, vous priez, sans honte.
Il n'y a pas honte de quoi d'ailleurs? Vous élevez la voix pour louer votre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de honte? C'est à vous, parents, de montrer à vos enfants, si toi, mon fils, tu peux avoir ton laptop là, parce que papa a pu te l'acheter, parce que Dieu a pourvu, c'est Dieu qui a donné du travail à papa. Si papa peut se lever tous les matins pour aller travailler, c'est par la grâce de ce même Dieu. Alors, il n'y a pas à avoir honte de vos enfants, il n'y a pas à se gêner devant vos enfants. Vous devez leur apprendre ces lois, vous devez enseigner à vos enfants. Lisons Matthieu, allons dans Matthieu, c'est vrai que je lis beaucoup, mais allons dans Matthieu. Matthieu 18 au verset 20. Matthieu 18 au verset 20, parce que j'aime bien aussi laisser Dieu parler, que la parole aussi puisse nous enseigner et qu'elle parle. Matthieu 18, tout à l'heure on avait lu 18, 19, là c'est 18, 20. Matthieu 18 au verset 20, qu'est-ce que Matthieu 18 au verset 20 nous dit? Car là où deux ou trois, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous apprenez ces choses à prier ensemble avec vos enfants, quand vous êtes tous réunis, papa, maman, les enfants, Dieu est au milieu, c'est saint, c'est saint. Et toutes ces choses créent des rapports et des choses bonnes dans la famille. Alors qu'il y a des familles chrétiennes, vous voyez, c'est une famille chrétienne, mais quand vous arrivez chez eux, c'est comme s'il y avait le feu. Rien ne va. Vous sentez que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ces moments-là. Les moments d'intimité ensemble avec Dieu, il n'y a pas. Tout ce que vous faites, c'est aller les dimanches sur les églises avec vos enfants. Mais une fois que c'est fini, du lundi au vendredi, la connaissance de Dieu pour vos enfants, vous ne vous en fichez. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Est-ce que vos enfants lisent la parole de Dieu? Est-ce que vos enfants ont des moments de prière personnelle? Vous ne vous en fichez. En fait, ce n'est même pas votre problème. Vous priez pour. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu te mets à genoux toute la nuit avant de dormir, Seigneur, protège mes enfants, que ça suffit. Il faut inculquer ces choses-là à tes enfants, que tes enfants puissent grandir avec ça. Combien parmi vous ici, là, sont nés dans des familles chrétiennes, où ils priaient avec leurs parents, et à un moment, ils ont tout arrêté, hein, parce que, bon, l'adolescence, hein, l'âge adulte, ils ont d'abord fait n'importe quoi, et ils sont revenus à Dieu après. Mais c'est ce que vos parents là vous ont inculqué quand vous étiez enfant. C'est ces choses-là qui sont restées. Même quand vous êtes perdu un peu, vous êtes revenu parce que vous aviez appris quelque chose. C'est ça qui vous a ramené. La prière de famille, papa, maman, les enfants, ça n'existe pas. Alors, ce qui m'énerve, alors m'énerve, énervé, hein, dans le sens propre du terme, tu vois, la colère de Dieu, c'est que ce qui est marrant, les week-ends, les dimanches, tout le monde crie sur les enfants, on va à l'église. Papa, maman, enfant, tout le monde va à l'église. C'est bien. Quand on arrive lundi, après l'école, le travail pour les parents, on arrive. Déjà, même manger, quand on mange, alors personne, on prie même pas. On prie même pas pour la nourriture. Alors là, jamais. Chacun prend son assiette, monte dans sa chambre, d'autres dans les toilettes. Bref, chacun va manger là où il veut. On ne prie pas ensemble. On ne remercie pas l'Éternel, on ne bénit même pas les mains de la pauvre maman qui est sortie du travail, qui est quand même venue préparer à manger. Non, il n'y a pas de problème. On est habitué, c'est normal, c'est son travail. Elle a été épousée pour ça. On n'a pas demandé à venir au monde, elle n'a qu'à le faire. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et quand c'est l'heure de dormir, mes sœurs, vous ne prenez même pas le temps de prier avec vos enfants. Écoutez les familles chrétiennes, hein. Les sœurs chrétiennes. Hey, toi! Avec tes dents là, comme un lapin qui n'arrive pas à croquer sur une carotte, là. Va dormir. Va dormir. Je t'ai dit d'aller dormir. C'est comme ça que vous envoyez les enfants au lit. Aucune prière. Ni avec eux, ni pour eux. Vous les envoyez au lit comme ça. En les insultant, en les traitant de tout. Et quand c'est pas, regarde ta grosse tête, c'est. Attends, si tu ne vas pas dormir, tu vas voir. Le diable, il va venir te chercher. Voilà ce que vous apprenez à l'enfant. Le diable va venir te chercher. L'enfant a été dimanche à l'église. On lui a dit que Jésus-Christ est son ami, que Jésus-Christ le protège. Toi, tu arrives chez toi. Tu dis à l'enfant que non, le diable va venir te chercher. Quelle confusion tu mets dans la tête de ton enfant? Comment cet enfant peut-il mettre sa confiance en Christ? Parce qu'on lui a dit à l'église que le Christ est son sauveur, qu'il est protégé par Christ. Et toi, à la maison, tu lui dis que le diable va venir le chercher.
Comment veux-tu que cet enfant soit en paix avec Jésus, avec toi, et qu'il ait la paix chez toi? À chaque fois que vous parlez à vos enfants, c'est le diable. Le diable va venir te chercher. Regarde-toi, et tu ressembles au diable. Que des insultes, que des choses comme ça là. Rien, rien de constructif. Au lieu de vous asseoir avec vos enfants, de leur parler de Dieu, de leur montrer l'importance de Dieu, de leur dire combien de fois Jésus est bon et qu'il est avec eux. Non, 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 non. Non, non. Qui j'entends là encore? C'est encore toi avec ta grosse tête. Tu vas voir. Tout ça, pourquoi? Pourquoi, ma soeur? Pourquoi faire tout ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose, franchement, tu penses de constructif pour ton enfant? Es-tu vraiment en train de sauver ton enfant en faisant ça? On va lire quelque chose, vous allez comprendre. Allons lire dans 1 Samuel 2, s'il vous plaît. Lisons 1 Samuel 2. Parce que ce n'est vraiment pas correct ce que nous faisons. Et ça, j'ai beaucoup constaté ça dans les familles chrétiennes. Vous partez tous les dimanches à l'église avec ces mêmes enfants. Mais jamais vous leur parlez de Dieu chez vous. Jamais vous priez avec ces mêmes enfants chez vous. Et dimanche d'après, vous les ramenez encore à l'église. Où ils sont contents de retrouver d'autres enfants et de jouer. C'est génial. Vos adolescents, alors n'en parlons plus. Ils ne viennent pas à l'église. Comme ils ne viennent pas à l'église, à la maison non plus, il n'est pas question qu'on prie avec eux. Hein? Ce sont des adolescents. Ils peuvent faire maintenant 4 mètres comme les enfants d'aujourd'hui grandissent comme je ne sais quoi. Vous avez peur de vos enfants? Tant que tu es chez moi, c'est moi qui te nourris. D'accord? C'est moi qui paye tout ici, là. J'ai dit, dans cette maison, tous les soirs, à 21h, il y a prière avant Alpha Omega, parce que Alpha Omega, c'est 21h30. Tous les soirs à 21h, dans cette maison, il y a prière. Si tu as des choses à faire, c'est ici. Tu restes ici, on prie, après tu sors, mais tu ne sortiras pas avant la prière. Ouais, imposez-vous quand même. Imposez-vous. Vous êtes incapable de le faire, vous avez peur de vos enfants. Oh, tu veux pas prier? Bon, c'est pas. Ouais, oh, laisse chérie, lui, c'est toujours comme ça. Pourquoi tu as peur de ton enfant? Il va te taper. Pourquoi tu as peur de ton enfant? Oui, lui c'est comme ça. Ah bon? Lui c'est comme ça. Toi en tant que maman, quand toi tu seras sauvé, que les portes du paradis seront ouvertes pour toi et que tu vas te mettre à rentrer, que tu verras ton enfant derrière en train de brûler. Je ne sais pas dans quel état tu seras. Et Dieu te demandera, je t'ai donné cet enfant, je te l'ai confié. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Vous avez peur de vos enfants? Mais moi, tu peux même toucher le ciel. Si tu es mon enfant, tu feras ce que je te dis. C'est comme ça, je suis ton père et tu dois m'écouter parce que si tu ne m'écoutes pas, je parlerai en tant que père et tu devras m'écouter. C'est comme ça. Il n'y a même pas, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Tu peux faire 4 mètres, il n'y a pas à discuter. Et si tu essaies de lever ta main sur moi, oh, bref. Toute ta vie, tu le regretteras. Mais vous avez peur de vos enfants, surtout les adolescents. En plus, ils arrivent au salon, ils sont là, il y en a, ils viennent prier, ils sont là sur leur téléphone. Vous êtes là, oh, le sang de Jésus, et ils sont là. Et personne ne dit rien. Vous ne prenez même pas ces téléphones-là, vous ne vous imposez même pas. Non, rien, rien. Vous regardez faire, et après, on vient pleurer, et après, on vient se plaindre. Que les choses ne se passent pas comme on voudrait. J'avais dit 1 Samuel 2, s'il vous plaît, verset 12 au verset 26. Je ne vais pas tout lire, hein, de 12 à 26. Vous lirez le reste chez vous. Je vais juste lire une partie. Donc, c'est 1 Samuel 2, 12 à 26. Alors, écoutez bien. Les fils d'Élie. Alors, Élie était ce sacrificateur, ce juge, en temps de Samuel, hein, qu'il était juge. Sacrificateur dans le temple. Voilà, il était sacrificateur. Donc, c'était un homme de Dieu. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron,
dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait qu'on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Bref, je ne continue pas, vous lirez. En gros, ce qui se passait, c'est que les fils d'Élie, ils étaient là, c'était des serviteurs. Élie était lui-même sacrificateur et juge dans ce temple. Donc, ce qui se passait, c'est que ses enfants, vous savez, normalement, quand on apportait des offrandes, il fallait d'abord cuire ces offrandes, d'abord les donner à Dieu avant de pouvoir se servir. Mais ces gens-là faisaient ce qu'ils voulaient. C'était les fils d'Élie. Élie était un homme de Dieu. C'était un très grand sacrificateur. Il était un homme de Dieu. Regardez le comportement de ses fils. Ces mêmes choses se produisent aujourd'hui là. Toi, tu viens ici là prier. Moi, je viens ici prier. Mon frère, tu viens ici prier. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils font dehors? Que font nos enfants dehors? Ce n'est pas de leur faute. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Qu'est-ce que nous inculquons à nos enfants? Parce que quand tu commences à apprendre à ton enfant la valeur de Dieu, l'importance de Dieu, ton enfant ne peut pas faire ce genre de choses. Les enfants d'Élie, et pourtant Élie était un grand sacrificateur, mais ses enfants se permettaient de faire des choses qui étaient indignes. Ça veut dire que Élie, qui lui-même était un grand sacrificateur, ne prenait pas le temps d'enseigner la parole à ses enfants. Il ne prenait pas le temps de parler à ses enfants de l'importance de Dieu. Il ne prenait pas le temps de montrer à ses enfants la crainte de l'Éternel. Ils n'en avaient pas la preuve. Regardez ce qu'ils faisaient. Et pourtant, c'était des enfants d'un grand sacrificateur. Toi, tu es sauvé, tu dis être sauvé tous les jours, tu lis la Bible, tu sors les amens tous les jours, les bénédictions tous les jours. Mais tes enfants en sont où? Oui, non, 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 non. Ne me prends pas mal ici. Oui, donc il veut dire que si mes enfants, ça ne va pas, donc même celui-là qui est devenu têtu comme son père, donc c'est de ma faute, il se prend pour qui? N'éteins pas ton ordinateur, n'éteins pas ton téléphone, reste là, ma soeur. Je me prends pour personne. Je te pose juste la question. As-tu fait ce qu'il fallait? Parles-tu de Dieu à tes enfants? Enseignes-tu à tes enfants la parole de Dieu? Pries-tu ensemble avec tes enfants? Votre discours d'aujourd'hui, oui, non, il ne faut pas forcer, parce que quand on force trop, vous savez, ça peut les dégoûter et ça peut faire qu'ils peuvent détester Dieu. Ce n'est pas vrai. Ils ne vont pas détester Dieu parce que vous forcez. On ne vous demande pas de forcer. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de parler et il y a des enseignements qu'il faut cibler pour les enfants. Vous connaissez très bien vos enfants, vous connaissez leur caractère. Vous devez cibler des enseignements pour ces enfants-là. Aujourd'hui, c'est triste parce que nous tous, nous apprenons, comme ma mère, elle a appris que son enfant, quand j'étais, il est devenu un musulman parce qu'il a choisi ce chemin, il s'y est mis à fond alors qu'elle, elle était chrétienne. Eh oui, ben oui, ça a dû lui faire mal. Demain, tu vas apprendre que ton enfant est devenu bouddhiste alors que toi, tu es chrétienne et ce même enfant, tu l'emmenais à l'église les dimanches. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y faisait à l'église? Avec qui il jouait? Est-ce qu'il entendait vraiment de quoi on parlait? Vous rentrez à la maison, est-ce que vous faites même le point? Alors, on a parlé de quoi aujourd'hui à l'église? Nada, niente, que dalle, rien de tout ça. Et après, vous venez jeter la pierre à Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Oh, cet enfant que tu m'as donné, il me tue. Oh Seigneur. Le Seigneur t'a donné sa parole.
Le Seigneur t'a donné un pasteur qui est là pour t'écouter. Le Seigneur t'a donné des frères et des sœurs en Christ pour t'aider à faire des petits enseignements pour tes enfants. On n'est pas tous des enseignants. On ne demande pas aux gens d'enseigner, mais partagez. Partagez avec vos enfants. Samuel avait ses enfants. On continue. On va lire toujours dans 2 Samuel, cette fois-ci 21 à 36. Je ne lirai pas tout. Je vais juste lire une partie. Ouais, c'est 27 à 36. Je vais juste lire encore une partie. Samuel 2. Il est écrit ceci. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à ta maison, pardon, à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans les demeures? Et d'où vient que tu honores toi, tes fils, plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Élie, son père, avait reçu la promesse de Dieu. Il verra toujours sur sa maison, sur sa descendance. Élie reçoit ce message de Dieu qui lui dit, tu as préféré tes enfants parce que tu es au courant de ce que font tes enfants. Tu laisses faire. Tu laisses faire ces choses. Tu me déshonores malgré tout ce que je fais pour toi, mon frère, ma soeur, malgré toutes les bénédictions que Dieu fait pour toi. Tu déshonores Dieu en ayant peur de tes enfants. Tu mets tes enfants dedans en encourageant leurs bêtises, incapables de leur dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et là, tu es puni. À partir de maintenant, tu restes à la maison pendant un moment. Vous êtes incapables de le faire parce que vous ne voulez pas blesser vos petits bouts de chou. C'est trop mignon. En attendant, regardez ce que Dieu dit à Élie. Si vous lisez la suite, vous verrez la suite de l'histoire. Ces deux enfants finissent par mourir en plus le même jour. Ils meurent, ils subissent une sacrée défaite. Ils meurent et on leur prend ce qui symbolisait Israël à ce moment-là. L'arche de Dieu est enlevée et prise par les ennemis ce jour-là. Donc ma soeur, si tu crois, mon frère, si vous croyez que vous êtes sauvés, c'est bien. Mais ces enfants-là, dont vous sacrifiez le salut, vous allez payer aussi pour la même chose. Et quand Élie a reçu la nouvelle de la mort de ses enfants, la sœur Coco avait lu cette partie dimanche dernier ou lundi, quand Élie a reçu le message, il est tombé. Hein? Il est tombé. La tête d'abord, comme c'était un vieux, la tête est tombée d'abord. Il est mort sur place. Il est mort sur place. Quand on vient se plaindre, ici, quand on vient se plaindre sur « j'ai un enfant, maintenant il ne m'écoute pas, il fait ci », c'est vrai, on a des enfants, il y a des enfants qui sont têtus. Mais pose-toi aussi quand même d'abord la question, avant d'aller chercher les sorciers de ta famille, oui, du côté de leur père, ça a toujours été comme ça. Les garçons sont tous têtus. Dès qu'ils ont 14 ans, ils deviennent des voleurs, des bandits, des assassins. Non, avant d'aller chercher ces sorciers-là, pose-toi la question. Est-ce que tu as fait ton travail? As-tu fait ton travail de père? As-tu fait ton travail de mère? As-tu réellement fait ton travail de parent? Parce que je ne dis pas que parce que tu vas prier du matin au soir avec tes enfants, du 1er janvier au 31 décembre, que tes enfants seront parfaits. Ce n'est pas vrai. Déjà toi-même, tu ne l'es pas. Moi-même, je ne le suis pas. Et pourtant, je prie tous les jours. Et je viens même enseigner ici. Et pourtant, je ne suis pas parfait. Mais il y a une chose, c'est que cette même parole qui est là-dedans, quand il m'arrive d'être imparfait,
Ça me touche, ça me fait mal et je regarde vers Dieu et je demande pardon. C'est ça que je veux pour tes enfants. Je te parle pas des enfants parfaits qui ne feront pas des bêtises dehors. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu inculques ces paroles, cette parole, parce que la parole de Dieu transforme, si cette parole la rentre dans l'esprit de ton enfant, si tous les jours tu lui parles de Dieu, de l'importance de Jésus, ce que Jésus fait pour toi, si tu arrives tout le temps à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi et pour tes enfants, crois-moi, ma sœur, ton enfant ira dehors, il fera des bêtises, mais à un moment il va s'arrêter, il pensera à cette parole de Dieu. Il reviendra à la maison, il ne te mentira pas, il te dira la vérité. Il te dira la vérité. On va lire Proverbe 18 au verset 21, s'il vous plaît. On a bientôt terminé, je sais, moi j'ai tendance souvent à dépasser, excusez-moi. Lisons Proverbe, s'il vous plaît, Proverbe 18 au verset 21. Proverbe 18 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je relis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Au lieu de maudire vos enfants tous les jours parce qu'ils ne veulent pas aller au lit à temps, au lieu de les insulter, au lieu de les traiter de tous les noms, hein? Sachez juste qu'avec Allah, vous maudissez vos enfants. Vous mettez la mort sur eux. Au lieu d'appeler le diable sur vos enfants, le diable va venir te chercher. Vous ouvrez des portes de ces mêmes familles-là que vous dites qui sont des sorciers. C'est vous-même qui leur ouvrez les mêmes portes et vous les laissez rentrer chez vous. Montrez à vos enfants combien de fois ils sont importants aux yeux de Dieu. Montrez à vos enfants combien de fois ils ont la chance d'être nés dans une famille où papa et maman connaissent Dieu. Montrez à vos enfants ces choses-là. Je sais, pour certains, c'est peut-être difficile. Tu étais peut-être dans une autre religion avant où tu n'as jamais prié, tu viens de connaître Dieu, donc tu ne l'as jamais fait avec tes enfants. C'est vrai que tu te sens un peu mal à l'aise. Comment peux-tu venir et ramener ce Dieu-là aux enfants alors qu'avant tu ne le faisais pas? Peu importe, peu importe. Ce n'est pas important, ce sont tes enfants. Alors, finis les mots de regarde ces vilaines dents comme un lapin qui n'arrive pas à croquer sa carotte. Regarde ses cheveux comme Mami Wata ou je sais pas comment vous dites. Au lieu de sortir ces trucs sur vos enfants, apprenez à prier avec vos enfants. Apprenez à leur dire combien de fois ils sont importants aux yeux de Dieu, que Dieu les aime, qu'il n'y a aucun amour qui dépasse celui de Dieu. Que vous les aimez, mais Dieu les aime encore plus. Parce que quand vos enfants voient comment vous, vous les aimez et se dire dans leur tête que waouh, comment mes parents m'aiment, maman, Dieu m'aime encore plus que maman, waouh, mais c'est excellent. Vos enfants doivent comprendre ces choses. Vous acceptez les crises d'adolescence comme si c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est devenu, on vous a mis ces choses en tête. Ouais, c'est la crise d'ado. Donc ton enfant te parle mal, ton enfant ne veut pas prier avec toi à la maison, ton enfant ne veut pas lire la parole de Dieu que tu lui as demandé de lire dans la Bible. C'est pas grave. Tu as vu? C'est ça. Ah, les adolescents là, vraiment. Que la crise la passe vite, hein. Vivement tes 18 ans. Ah ouais? Non, 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 non. T'es enfant de Dieu. Faut pas accepter ces choses-là. Les crises d'adolescence, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il faut imposer. Impose Dieu à tes enfants. Impose Dieu à tes enfants. Mais avec amour, Dieu ne s'impose pas avec des fouets. C'est avec la parole. Parce qu'au début, ça va être difficile. Ces mêmes adolescents qui boudent. Mais tu sais, la parole de Dieu ne peut pas rentrer là sans faire de l'effet. Il y a un moment, ça va commencer à travailler dans leur cœur. Et à un moment, ces mêmes enfants-là qui ne voulaient pas, ils seront même les premiers à venir vous dire, maman, maman, mais on ne prie pas ce soir. Papa, papa, à quelle heure on prie? Ces mêmes enfants, vous allez voir le changement. Essayez d'abord, avant de chercher à parler des choses que vous ne connaissez pas. Arrêtez, je vous dis tous les jours, arrêtez d'intellectualiser. Dieu n'est pas intellect. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est esprit. Et c'est là-dedans que ça se passe. Faites ce qu'il vous dit et l'esprit agira.
Arrêtez d'intellectualiser Dieu, de voir vos enfants. Oui, mais lui, il est comme ça, mais lui, il est. Arrêtez ces choses-là. Papa, maman, nous allons lire un verset qui conclut cet enseignement. Deutéronome 6, encore, on repart chez Deutéronome, oui. 6, toujours, oui, mais cette fois-ci, le verset 24. Deutéronome 6, au verset 24. Je lis la parole de Dieu. J'avais déjà lu ce verset, je crois, entre-temps, mais là, je le lis pour conclure. Alors, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Je relis. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, être heureux, et qu'il nous conservât, pardon, la vie comme il le fait aujourd'hui. Ceci, ce que je viens de dire, ce sont les commandements de Dieu. C'est la loi de Dieu. Je n'ai pas dit quelque chose que j'ai trouvé de moi-même, c'est là-dedans. Et ces lois ont été données afin que nous les observions. Et si nous les observons, nous serons heureux. Si tu veux être heureux dans ton couple, ma sœur, prie avec ton mari. Si vous voulez être heureux avec vos enfants, priez avec vos enfants. Je vous dis la vérité. On se rapproche toujours de la personne avec qui on prie. C'est une vérité. Priez avec vos maris. Vous aurez moins de problèmes graves à la maison. Parce que le Seigneur sera toujours le centre. Priez avec vos enfants. Vous aurez moins de problèmes. Je n'ai pas dit vous n'aurez pas de problèmes, mais vous aurez moins de problèmes avec vos enfants si vous priez et que vous enseignez la parole de Dieu à vos enfants. La première église, c'est ta maison, mon frère, c'est ta maison, ma sœur. C'est le premier endroit de communion avec l'Éternel. C'est d'abord chez nous. Après, c'est dehors avec les autres. Mais c'est d'abord chez nous. Et ce qui est triste chez nous et certains chrétiens aujourd'hui, c'est que je nous vois, je vous vois, je nous connais, je vous connais. Vous êtes des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu dans vos églises. Quand vous rentrez, même les micros se mettent à chanter tout seuls parce que vous êtes rentrés. Tellement on vous connaît en tant qu'homme et femme de Dieu. Mais quand vous arrivez chez vous, l'onction n'est plus là. Elle est éteinte. Et toute la semaine, on n'entend plus rien. On ne vous entend même pas louer l'Éternel. On ne parle plus de Dieu, ni avec nos enfants, ni avec nos maris. On n'en parle plus. Après, on vient sur Alpha Omega pleurer que mon enfant ne m'écoute pas, que mon mari ne me respecte pas. Mettez la prière au milieu. Et Dieu, si vous mettez Dieu dans votre couple, vous mettez Dieu dans votre famille, dans votre foyer, vous verrez les miracles de Dieu. Vous verrez les miracles de Dieu. Moi, quand je vois un couple qui prie ça, ensemble, je ne sais pas, ça me fait toujours quelque chose. Je n'ai pas de cheveux, mais je les sens bouger dans ma tête. Tellement je trouve ça beau parce que je sais que ce couple-là traversera des moments difficiles, connaîtra des moments difficiles, mais jamais, jamais il se séparera pour n'importe quoi. Au contraire, plus les moments seront difficiles, plus ils seront liés, les deux. Mettez Dieu au milieu de vous. Mettez Dieu au milieu de vos enfants. Cette parole est autant pour les gens mariés, c'est autant pour les pères et les mères célibataires, c'est autant pour les futurs mariés. Ma sœur, si tu as déjà trouvé quelqu'un aujourd'hui qui te dit qu'il va t'épouser, gloire à Dieu, je suis très heureux pour toi. Mais si cette personne ne te demande jamais de prier avec, quand tu es ta compagne en bas de chez toi, tout ce qui l'intéresse, c'est de sauter sur tes lèvres. Ma sœur, laisse tomber. Oui, mais on va prier ensemble quand on sera mariés. Ma sœur, vous ne le ferez pas. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit le faire. Voilà.
Donc, si maintenant tu viens de trouver quelqu'un, il a promis de t'épouser, commence à lui dire, quand il t'appelle à vous parler de tout et n'importe quoi, il y a un moment, il commence à aller là où il ne faut pas aller. Tu dis, chérie, je vais aller dormir, priant, rendant grâce à Dieu pour ce moment qu'on a passé ensemble, priant que Dieu nous bénisse. Et que... Je vais te dire une chose, ma soeur. Si ce frère-là venait avec des mauvaises idées, qu'il n'était pas motivé pour se marier, il va fuir. Après la première prière, là, demain tu vas la rappeler, il n'aura plus le même numéro de téléphone. Il va fuir. Parce que je te dis, quand il s'agit de Dieu, hein, quand tu mets la prière, l'homme a peur. Parce que la prière est une puissance. Est une puissance. Alors, n'oubliez pas, mes sœurs, si vous avez des gens qui vous courent après, priez avec eux à chaque fois qu'ils vous appellent. Priez avec eux. Vous allez voir. La liste va devenir courte, comme ça, là, toute petite. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Nous allons le remercier pour la parole. Et nous allons recommander notre nuit. Nous allons recommander la prière de demain matin. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te louons, nous te rendons grâce et te remercions pour ta parole. Seigneur, personne n'est parfait. Je ne le suis pas, mon frère, ma soeur ne le sont pas. Nous pensons que le fait de prier tous les matins, tous les soirs pour nos enfants ou pour nos femmes, pour nos maris ou pour nos fiancés dans nos coins, ça suffit. Nous oublions que, Seigneur, le foyer est l'endroit que toi, tu as vraiment établi pour que la vraie communion, la vraie et l'unique communion, la même, la sincère, commence par là. Seigneur, avant que je sois un frère en Christ dehors, je dois l'être pour mon enfant, je dois l'être pour ma femme. Avant que je sois un frère en Christ dans mon église, je dois l'être pour ma femme, je dois l'être pour mes enfants. Avant d'être un pasteur dehors, je dois l'être pour ma femme, je dois l'être pour mes enfants. Avant d'être un enseignant dehors ou sur Alpha Omega, je dois l'être pour ma femme et je dois l'être pour mes enfants. Merci Seigneur de nous mettre à cœur, de comprendre aujourd'hui que la prière en famille est importante pour nous, pour nos enfants, pour notre foyer. Puisses-tu Seigneur aider tous ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, à partir de maintenant, de le mettre en pratique. Puisses-tu donner la force à mes sœurs qui ne sont pas encore mariées, qui parlent à des hommes aujourd'hui, de pouvoir imposer, Seigneur, ces séances de prière à ces hommes. Et puisses-tu aussi faire pareil pour mes frères, de pouvoir imposer ces séances de prière à ces femmes qui leur courent après. Parce que cela, Seigneur, est important et cela tient plus à de leur vie que autre chose. Merci beaucoup pour cette parole. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Maintenant, c'est le soir, c'est la nuit pour les saints et la fin de la journée pour d'autres, Seigneur. Certains vont partir au lit, d'autres vont vaquer à d'autres occupations. Puisses-tu bénir chacun de nous, puisses-tu accompagner chacun de nous dans nos occupations. Puisses-tu nous parler pendant cette nuit, puisses-tu nous protéger, Seigneur. Nous te recommandons aussi la prière de demain à 5h30 du matin. Seigneur, merci de rendre les temps et les circonstances disponibles. Merci de me donner la force et donner la force à ma frère, à ma soeur, à mon frère, pour qu'ils puissent se lever le matin et encore plus écouter ta parole et te louer. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre temps. Soyez tous bénis. Je suis désolé, j'ai dépassé de quelques minutes. Mais je sais que vous êtes tellement amoureux de votre Père que ça ne vous a pas dérangé. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, éteignez vos portables pour ceux qui sont mariés. Rejoignez vos maris, rejoignez vos femmes, priez ensemble et dites-leur combien de fois vous les aimez. Et faites la même chose avec vos enfants. Dites-leur combien de fois vous les aimez. Priez avec eux aussi. N'oubliez pas, c'est très important la prière en famille. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, si Jésus-Christ ne revient pas. S'il revient, on se retrouve au paradis. Moi, en tout cas, je suis prêt à y aller. Si vous ne l'êtes pas, le moment est venu de vous apprêter. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous dis à demain matin, à 5h30 du matin, heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.